Je m'appelle Laurie Hamelin, chercheure principale sur le projet MOBGA CambioScope. CambioScope, c'est cette ambition en 6 objectifs de recherche de ne plus utiliser de carbone d'origine fossile en France. La question, quel carbone, comment et vers quoi le transformer, le récupérer, quand et où? Hello, I'm Shivesh and I work on spatial data analysis using geographic information systems. I'm responsible for CambioScope's research objective 1, where my goal is to develop a baseline for residual biomass in France by spatially quantifying the key residual streams we have and identifying their current use. This geo-quantified understanding of the residual biomass baseline is key for quantifying the environmental performance of any strategy, which can then be assessed against this baseline. In this endeavor, we are collaborating with regional and national institutions like Arteco, CESBio, IGN, France Agrimer, among others. Je suis Takwa. Et je suis Patrick. Avec Concetta, nous travaillons sur l'objectif de recherche 2, qui a comme but d'étudier la performance environnementale de différentes chaînes de conversion de biomasse. En utilisant l'analyse de cycle de vie, nous cherchons à prédire l'impact environnemental de procédés thermochimiques tels la pyrolyse, la gazification et la liquéfaction hydrothermale. Le principal but est de déterminer de quelle façon il est le plus avantageux de fournir différents produits comme le syngas, la biohuile et le biochar, qui seront utilisés dans la bioéconomie en France et localement. Hi, I'm Pim Chinook and work on the RO2. It's about the bioavailation-based technology conversions. As you may see in this screen, many types of feedstock could be used to produce the biojet fuels using the chemicals or the biological reactions. And this hydrocarbon could be upgraded and treated to be the bioavailation fuels. Hello, I'm Singhe, working on Research Objective 3. Here, the starting point is that the strategies we'll be giving to policymakers will be implemented in the future. Of course, we cannot predict the future, but we want to understand how our strategies will perform under different kinds of possible futures. With my work, we will also be able to quantify the advantage of keeping carbon in the technosphere for as long as possible. We call this carbon circularity. I'm Joe, and I work on Research Object 4, where we work with bioplants. These plants that can induce a net transfer of carbon from the atmosphere into the soil. The vision is double-fold. We use our marginal soil to store additional carbon in soil while producing a useful biomass for the bioeconomy. Bonjour, je suis Lydia Barna, professeur à l'INSA Toulouse. Je travaille dans le projet CambioScope sur la valorisation des résidus pour la production de molécules d'intérêt comme composante majeure de la bioéconomie circulaire. Nous travaillons sur l'éco-conception des procédés innovants en se basant sur des outils de modélisation et simulation des procédés, mais aussi sur l'analyse de cycle de vie et l'optimisation multicritère. Comme exemple, on peut noter ici la valorisation des nutriments dans les eaux résiduaires ou la production d'acide citrique à partir de déchets d'aluminium. CambioScope, c'est décarboner l'énergie, c'est recirculer le carbone, c'est produire tout ce qui ne peut être décarboné avec la biomasse et le faire de façon durable. C'est déterminer pour quel produit affecter notre précieuse biomasse, où, quand et avec quelle technologie. Un défi que nous devons réussir.